Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'été et on va faire les épreuves liées au DLC Aventure de Rallye et le championnat saisonnier comme un poisson dans l'eau. Vous devez utiliser une voiture monstre du rallye réglée en maximum à 800 et gagner contre des drive attarants très doués. Comme voiture, j'ai choisi la Peugeot 207 Super 2000 de 2007 qui coûte 150 000 crédits au salon de l'auto. Avec le réglage Dirt Trial slash CC slash PG et le code 4 2 3 4 5 4 7 3 0 4 2 3 4 5 4 7 3 0. On s'inscrit, on fait solo. On prend notre Peugeot modifié. Je vous montre qu'on est bien bloqué en très doué. Et c'est parti. Et c'est parti. Essayez de bien dépasser tout le monde au début. Collez bien au groupe, ne vous faites pas enfermer. Passez bien sur le côté, faites attention ici, ne vous faites pas enfermer. Collez bien aux deux voitures devant. C'est pas super évident, mais c'est pas si difficile que ça non plus. Poussez-le si vous pouvez. Tout juste. C'est la bagarre. Et voilà, on passe en tête. Ça va pas tarder. Et on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. Tout juste pour le drapeau. Un checkpoint. Alors c'est pas évident, c'est assez disputé, mais on finit quand même en tête. C'est pas facile. Les Exocet font très bien le boulot et la quatrième est une Peugeot aussi. Donc si vous n'y arrivez pas avec une Peugeot, prenez une Exocet. Hein. On va s'inscrire à la deuxième course. Ben, on est dessus. On continue l'épreuve, on prend toujours notre Peugeot. Je
je vous montre qu'on est bien bloqué entre Edoué et c'est parti. Faites attention aux deux exocèles qui filent très très vite. Enfin, dans mon cas, moi. Je vais pas les laisser filer. Heureusement qu'elle a la longue ligne droite et que les exocètes sont plus lentes en ligne droite. Et voilà, nous sommes en tête, on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course. C'est très très disputé, hein. Aïe aïe aïe, j'espère que ça a validé, tout juste. Oui oui oui, tout juste aussi. Décidément, j'ai tendance à prendre les drapeaux et les checkpoints un peu trop larges aujourd'hui. Ça m'a déjà valu des sueurs froides dans le test. Et voilà, on est quasiment arrivé. On est en tête. C'était un petit peu moins disputé que la première course, mais ce n'est pas facile. Voilà. Et go ! Deuxième victoire. Impec. Il faudra donc finir premier ou deuxième et troisième devant Davod. Ah, 250 000, ça c'est bien. On va s'inscrire à la troisième et dernière course, bah elle est là, on est dessus. On s'inscrit, on continue, on prend toujours notre Peugeot. Je vous montre qu'on est bien bloqué en très doué. On va regarder le classement du championnat. On peut finir premier, deuxième ou troisième à condition de finir devant Davod. Et c'est parti. Attention ici, vous ne faites pas enfermer. Poussez plutôt les autres. Pareil ici. Pareil là, c'est impec, on est passé pile sur le drapeau.
d'avoir des devants, donc il faut finir au moins deuxième. On va le pousser un peu et voilà, on se retrouve à l'arrivée pour le résultat de la course, mais aussi le résultat du championnat. Oh, en plus je passe entre les grilles, magnifique. C'est pas tous les jours. Attention ici, ça rebondit pas mal. Voilà. C'est de nouveau très disputé. Sur le drapeau. Voilà, j'ai complètement raté mon freinage là. Je pars en cacahuète. Un petit Peugeot fait le boulot, hein. Un petit carwash. Elle est très fun à conduire cette voiture. Cette course-ci est la plus facile des trois en finalité. Et voilà, une victoire plutôt facile dans ce cas-ci. Donc je sais pas, est-ce que les trois courses sont moyennes ou difficiles? Pour moi c'est moyen, mais peut-être pour quelqu'un qui n'est pas habitué au rallye, c'est plutôt difficile à voir. Ça rebondit pas mal, hein. Il faut pas mal gérer la voiture, pas mal la laisser glisser. C'est pas forcément évident. Et voilà, 60-48. J'aime le réglage, il est excellent. On reçoit la Manta 400 Opel de 1984. Et voilà, le championnat saisonnier comme à poinçon dans l'eau est terminé. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5.